tout le monde! Je me suis dit aujourd'hui que ça faisait assez longtemps que je vous avais pas montré ma face, pas de maquillage. Yeah! Donc, j'ai décidé de faire un nouveau tag qui est le tag pile ou face. C'est un tag que j'ai eu beaucoup de plaisir à regarder sur beaucoup d'autres YouTubers. Et toutes les informations pour faire ce tag vont se trouver dans ma barre d'informations. Alors, on va commencer tout de suite parce que j'ai vraiment hâte de commencer. Ça fait longtemps que je me mets ça dans la tête. Puis je suis comme... Oh! Donc, on commence. Je tire le premier coup. Est-ce que ça va être pile? C'est pile! Je sais pas si vous pouvez le voir. C'est pile. Donc, pile! Challenge Makeup! Applique, applique un rouge à lèvres. Rouge? Bon, j'aime pas ça les mots qui se répètent, j'en dirais, j'arrive pas à les lire. Bon, on recommence. Ok, pile. Challenge Makeup. Appliquer un rouge à lèvres rouge en guise de blush. Bon. Il est pas super rouge. Hey, en plus, j'étais encore maganée. Mais bon, c'est pas grave. J'ai l'air de ça. C'est de ça que j'ai l'air. Faut qu'on s'apprécie au naturel. Et c'est de ça que j'ai l'air. Donc, c'est correct. C'est gorgé. Bon, allons-y. Oui. Ah, il est pas complètement rouge, il est rose. Oh, t'es cute. Ah, ouais. Ah. Pas son état. Oh, yeah. Ok. Bon. Deuxième pile face. Ça commence très bien, mes affaires. Ah, ça ferme tout le temps. Bon. Deuxième pile ou face. Bon. Ah! Je suis comme nerveuse, là. Ah, c'est pile! Tiri-tiri! C'est quoi pile, 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 pile? Challenge coiffeur! C'est parti pour le palmier à l'ancienne sur la tête! Oh, ya, ya, ya! Donc, on va se faire un palmier à l'ancienne. Et ça partait. Ah, quand même... ah, ok, c'est bon, c'est la fête. On dirait que je peux pas m'empêcher de chanter une chanson de genre de quiz télévisé quand je fais. J'entends pas de son. On dirait qu'il faut que je fasse patienter, là. Ah, tadaa! C'est beau, hein? C'est joli. Donc, troisième pile face. Ça va bien. J'aime ça. Ah, c'est encore pile. Je sais pas si vous pouvez le voir ici. C'est pile. Donc... Malgré que j'ai lu les questions, en vrai, j'ai comme oublié tout d'un coup tout ce que j'étais, c'est quoi, ça concernait les piles, puis je suis comme, oh God! Ok, c'est celui-là. Challenge Makeup, aujourd'hui, ce sera correcteur en guise de rouge à lèvres. Oh yeah! Donc là, ouais. Tout. Ok. Oh yeah. Oh. Il y en a épais en plus. Oh mon dieu. J'aurais voulu tout me... Oh yeah. On dirait qu'il sort... Super dégueulasse, c'est lèvres, c'est comme, oh yeah. Bon. Numéro 4.
J'espère avoir un face quelque part, sinon, mon Dieu, ça aurait été très plaisant. Ok. 4. Ok. Face! Ah, c'est face. Si vous pouvez le voir, je sais pas, je pense pas. C'est un face. C'est face. Donc, face numéro 4. C'est... Oh, que je suis contente de l'avoir sauté, celle-là. Ouh! C'est face, montre-nous et parle-nous de ton indispensable pour le teint. Donc, mon indispensable que je mets à tous les jours, j'en parle souvent sur mes vidéos. J'en ai touché là? Non. J'en parle souvent dans mes vidéos, c'est mon bébé crème, le Super BB. Hey, j'avais jamais lu. C'est le Super BB de Physician Formula de la, du teint clair. C'est un tout en un, c'est une crème sublimatrice beauté. Le teint, il est tout uni, ça tient bien, ça camoufle bien, c'est vraiment... Là, lui, il t'avait de finir. Mais on dirait qu'il finit jamais. Il y a des produits de moi, mais on dirait que ça finit jamais. Je vais aller le racheter bientôt parce que je ne peux que pas vivre sans. Que serais-je sans toi, ma bébé crème? Donc, on y va pour le challenge numéro 5. Numéro 5! Ça compte pas. Face encore! Bon! C'est le début d'un temps nouveau. Face, montre-nous et parle-nous de ton indispensable sourcil. Et ça tombe bien parce que j'en avais pas avant. Il y a 2 jours à peu près. Vous vous rappelez peut-être, ou peut-être vous l'avez pas vu, si vous l'avez pas vu, j'en ai parlé dans mon ancienne vidéo, j'avais un produit que j'avais acheté qui était cassé chez Pharmaprix, je l'ai pas retourné, et tant mieux parce que maintenant ça me fait une super belle brosse pour les sourcils, donc, conseil gratuit, une vieille brosse de mascara, quand votre mascara est fini, nettoyez très bien la brosse et vous avez une super et très bonne brosse à sourcils, qui a absolument rien coûté. Et ça reste que c'est mon outil préféré. Maintenant, c'est ça. Je m'en séparerai plus. Challenge numéro 6. On va faire ça vite. Face encore! Ah! Bon! Face 6. Montre-nous et parle-nous de ton eyeliner favori. Ça reste que c'est mes nouveaux... C'est pas un eyeliner liquide, ça va être un crayon. C'est les nouveaux, c'est les crayons que je me suis commandés sur Julep. J'avais eu 5 échantillons et je trouve encore une fois que c'est les meilleurs traceurs. C'est des traceurs gel. Le seul défaut que je leur retrouve, c'est que ce sont des crayons qu'on doit aiguiser. Je déteste aiguiser mes crayons. Je pense que j'en ai gardé un là dans ma trousse, je le vois pas. Il est gros comme le bouchon ici. Et je le garde. C'est ridicule. Je pense que je le perds, il se faufile. Il va se cacher entre les autres affaires, je le vois pas. Mais pour revenir à mon meilleur produit, c'est celui-là. Quand ils vont finir, je vais sûrement commander. J'ai vu qu'il y en avait des noirs, je vais en commander un noir. Mais j'aime aussi beaucoup ceux de couleur. Ils ont des brillants dedans. Ça me déplaît pas, ça donne un petit shine dans le regard. Donc, ceci est mon eyeliner préféré. Et est-ce qu'il reste encore des challenges? Je ne sais plus, c'est long. Ça commence à être long maintenant. Il en reste un, c'est le dernier. C'est le dernier challenge. Prends-toi en photo et ça va être mêlé en miniature. Ça va être ça ma miniature. Donc, je vais prendre la photo. Je vais prendre la photo avec mon téléphone. Ta 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 ta. Ah, c'est ridicule. Ah, bon. Ok, c'est ça qui finit la vidéo. J'espère que vous l'avez trouvé drôle. J'espère que ça fait au moins un petit sourire. Moi, en tout cas, j'ai eu bien du fun à le faire. Si vous avez aimé, vous avez à juste appuyer sur le petit pouce, comme ça. Ça va me faire très plaisir. Je vais sûrement continuer à faire des tags, même si vous aimez pas ça, parce que moi, j'aime ça d'en faire. Et vous pouvez voir encore une fois mes nail art que j'ai faites. J'ai fait ça cette semaine. Ah, vous pouvez pas le voir. J'ai fait ça cette semaine.
Mais si vous voulez des photos un peu plus claires, allez sur mon Instagram ou sur mon Google Plus. Et je suis aussi sur Twitter, que vous pouvez venir me joindre et on va tweeter ensemble. Mes adresses vont être en bas dans la barre de description, sinon sont dans la bannière en haut. Et je vous souhaite une belle fin de journée. Bye!